Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà, ce soir, nous allons parler de Terra Luna. Voilà, c'est dû au fait que j'ai reçu tellement de messages concernant Terra Luna et que nous avons décidé de vous faire une petite vidéo flash pour essayer d'orienter les uns et les autres, voilà, concernant Terra Luna, parce que je ne peux pas répondre à tous les messages, voilà, tellement il y en a. Donc une vidéo va éclairer tout le monde sur la procédure à suivre. Voilà, d'accord. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, déjà activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici sur la chaîne. Voilà, c'est le meilleur moyen aussi de soutenir aussi la chaîne, c'est de partager massivement les vidéos dans les différents groupes, WhatsApp, Facebook, voilà. Et donc, ça permet comme ça de faire progresser la chaîne pour atteindre les 100 000 abonnés que nous cherchons. Voilà, d'accord. Donc, voilà, pour ceux qui viennent aussi de nous prendre en marche, voilà, activez les cloches de notification. Voilà, ce soir, comme je le disais, nous allons parler de Terra Luna. Voilà, parce que voilà, ça fait couler beaucoup d'encre. Voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est que voilà, il y a un gros burn aussi qui arrive, on va dire ceci, mais seulement, on ne va pas dire un gros burn, on va dire la taxe qui avait été dit en son temps, qui est la taxe de 1,2% qui sera appliquée voilà, sur Terra Luna pour toutes les transactions qui vont se passer. Alors, à cause de cette taxe-là, beaucoup de changements ont commencé à être opérés. Alors du coup, Terra Luna va arrêter de faire ce qu'on appelle le bridge, voilà, les ponts qui relient Terra Luna avec certaines blockchains telles que la Binance Smart Chain, ERC20, le TRC20 de Tron. Alors toutes ces blockchains-là, le pont qui existait, alors ce pont sera rompu. Alors je vais vous expliquer pourquoi le pont sera rompu. Et donc, du coup, qu'est-ce qui doit se faire? Alors, Binance aussi a fait une annonce. Voilà, et cette annonce-là, c'est celle-là même qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà, donc, on vous explique ici ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que Terra Luna, étant donné que CZ de Binance a une certaine grande quantité de pièces Terra Luna, on va dire même la moitié de l'offre de Terra Luna, alors sa voix porte. Depuis le temps, il avait dit que le burn était la chose à faire, que le fait de créer un 2.0 n'allait pas résoudre l'affaire. Alors, le temps lui a donné raison aujourd'hui. Vous voyez qu'on vient à ce qu'il avait dit au départ. Et, comment on appelle, le créateur de Terra Luna est quelqu'un de très têtu, de très buté. Alors, il finit par revenir à ce que CZ a dit. Quelqu'un qui avait 1,6 milliard de dollars en Terra Luna, qui s'est effondré qu'à 3 000 $. Alors, vous comprenez que c'est pas... Mais malgré ça, lui, il prend ça pour se moquer de lui, mais pour dire... Ah, petit à petit, il devient pauvre. Hein? C'est ce que lui-même il dit de lui-même. Tellement il banalise la situation. Mais ça n'est pas dit qu'il banalise, que ça ne lui dit rien aussi. Alors, il a donné son avis qui n'a pas été pris en compte. Aujourd'hui, c'est pris en compte. Pourquoi? Parce que bientôt, je crois, c'est le 12 septembre. Alors, cette taxe burn-là sera pris en compte. Alors, ça va être implémenté directement dans la blockchain. Alors, pour que cette blockchain aussi soit utilisée, si les gens passent par les ponts, tels que BP20, TRC20, le ERC20, alors pour pouvoir implémenter les Terra Luna, alors comment cette blockchain va pouvoir faire ses burns? Alors tous ces ponts doivent être suspendus. Alors c'est ainsi que Binance a fait une annonce, voilà, alors disant que, voilà, à partir du 7 septembre, à minuit précisément, alors tout ce qui est burn, enfin tout ce qui est transfert sur Binance, concernant le Terra Luna classique, sera suspendu indéfiniment. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de pont entre la Binance Smart Chain et la Terra Luna classique. Alors, du coup, toutes les personnes qui avaient des Terra Luna sur des plateformes décentralisées telles que Trust Wallet, MetaMask, avaient l'obligation d'envoyer avant cette date-là, ils devaient transférer ça sur Binance afin que, voilà, ils puissent faire tout ce qu'ils veulent faire directement à partir de Binance. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça va être compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui en ont sur Trust Wallet ou bien sur MetaMask, c'est
j'ai remarqué que dès la première fois où le 2.0 devait être lancé, tous ceux qui avaient payé les BEP 20 de Terra Luna classique ont été laissés pour compte. Tous ceux qui en avaient, en tout cas sur 13 soirées, ceux qui étaient sur les échangeurs centralisés tels que Binance, tels que Elbank, tels que Hotbit, tels que Get.io, tous ceux-là, en tout cas, ils n'ont pas eu de problème. Leur migration s'est passée tranquillement. Mais pour ceux qui avaient su 13 soirées, alors c'est resté dans leurs mains. Jusqu'à aujourd'hui même, il y en a encore dans leurs mains. Alors la chose à faire, c'est simple. Le 7 est déjà passé. Si tu étais sur Binance, pas de panique à avoir. Il y a encore de la liquidité sur le protocole. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous partez et vous vendez la pièce en BNB. Une fois que vous avez vendu, vous envoyez maintenant les BNB là sur Binance, ou bien vous envoyez, vous vendez ça peut-être en BP20, USDT BP20, ou bien en BNB directement. Vous envoyez sur Binance. Arrivé là-bas, vous partez maintenant payer directement les Terra Luna classiques. Vous n'avez pas de problème. Maintenant, pour ceux qui ont fait du staking voilà, sur Binance, alors il n'y a pas de souci aussi. Vous n'êtes pas concerné par tous ces trucs-là. Mais ceux qui avaient seulement sur Trace Wallet, c'est eux qui ont des problèmes. Ceux qui étaient aussi déjà sur des plateformes centralisées telles que, Binance, Elbank, tout ce que vous connaissez. Voilà, alors vous là, vous n'avez pas de problème alors, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire ici. C'est ceux qui sont sur Trace Wallet, qui avaient l'ancienne version de Terra Luna dès la migration pour aller à Terra Luna 2.0, ceux-là et ceux qui sont allés payer après tout ça, ceux qui sont allés payer en BP20, en ERC20, tous ceux-là sont concernés parce que ça se trouve sur une plateforme qui est décentralisée. Alors, il n'y a pas de panique à avoir, vous n'avez pas perdu votre argent puisqu'il y a de la liquidité encore sur ce protocole. Alors, vous vendez simplement, vous transférez sur n'importe quel échangeur centralisé. Mais comme je le dis toujours, la préférence, c'est Binance, parce que Binance, c'est la première plateforme au monde des crypto-monnaies. On ne choisit pas les plateformes pour rien. Voilà ce que vous devez comprendre. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Ce n'est pas parce que le 7 est passé que donc, tu as perdu tes pièces. Non, tu n'as qu'à vendre, tu envoies ça sur Binance là-bas, tu vas repayer. Beaucoup de personnes qui m'ont contacté, et je leur ai donné cette technique-là de vendre directement pour aller là-bas. Moi-même, depuis la première fois où il y a eu le 2.0, toutes les personnes qui m'ont contacté, je leur ai dit, ce qui est resté sur les 13 soirées, on a attendu pendant un moment, on a vu que ça n'est pas... Donc moi-même, j'en avais là-bas. Alors très, très rapidement, moi, j'ai vendu tout. Je suis allé même augmenter l'argent même sur Binance. Et j'ai payé depuis longtemps. J'ai payé la quantité que je devais payer. Ça est sur Binance depuis. Et même ça est en staking là-bas tranquillement. Mais et vous, qui n'avez pas compris, qui était là en train d'attendre encore que le miracle arrive? Alors c'est à vous que ça s'adresse, cette annonce s'adresse de rapidement vendre, parce qu'il y a encore de la liquidité, et d'envoyer sur Binance, sur Elbank, sur tout ce que vous connaissez, les plateformes en tout cas centralisées, pour aller rapidement payer la pièce parce qu'elle va commencer à monter. Voilà, vous savez quand il y a une news comme ça, les gens s'intéressent à la pièce et la pièce commence à monter. Voilà ce que vous devez comprendre à travers tout ce que nous venons de dire ici. Donc, ce que vous devez aussi saisir à travers aussi tout ceci, voilà, c'est que Terra Luna va implémenter dans sa blockchain, voilà, la taxe burn qui est 1,2, voilà, pour cent qui sera appliquée à toutes les transactions. Alors, ça va rendre la pièce déflationniste. Alors, quand une pièce devient déflationniste, avec le temps, alors elle va s'imposer, voilà, avec le temps, elle va se rarifier. Alors, c'est une pièce qui peut facilement atteindre les 0,01$. Voilà. Et donc, dans les prochaines années à venir, le bull run prochain 2025, alors c'est une pièce facilement qui peut atteindre les 0,01$ et même 0,1$. Alors, voilà ce que vous devez comprendre à travers tout ce que nous sommes en train d'expliquer ici. Voilà, concernant Terra Luna. Voilà. J'espère que c'est clair pour chacun d'entre vous. Alors, procédez simplement à cela. Ne paniquez pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Vous devez comprendre cela. Voilà, autre actualité. Voilà, pour terminer, parlons de Ahav. Ahav, qui est le protocole de DeFi, alors vient d'acquérir sa licence pour les monnaies numériques. Alors, c'est une plateforme qui existe et qui fait beaucoup pour la DeFi. Alors, il vient d'acquérir une licence
pour implémenter les bonnets numériques. Donc, ils envisagent créer une carte bancaire défi. Voilà. Et en même temps, lancer les stablecoins qu'on appelle le Go. Donc, du coup, c'est une bonne nouvelle pour la sphère cryptographique de voir un protocole de DeFi qui va avoir bientôt sa carte. Alors, il va envoyer encore une autre innovation parce que Aave est un protocole de DeFi qui apporte beaucoup dans la sphère cryptographique. Alors, le fait d'acquérir dans sa zone géographique, voilà, la possibilité d'interagir avec le côté numérique et avoir une licence, alors ça lui ouvre beaucoup de portes directement sur le monde traditionnel de la finance. Alors, il risque de faire beaucoup de choses. Voilà l'actualité qu'on pouvait vous donner ce soir sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà le monde merveilleux aussi de la blockchain. Voilà. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, alors rentrez en contact avec moi. Le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo afin que chacun puisse profiter de l'écosystème de la crypto-monnaie. Voilà. Pour la formation au niveau d'Abidjan, alors la 4e édition cette fois-ci, ça serait le 30, le 31 et le 1er novembre prochain à Abidjan. Voilà, donc rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Bill, Georgette et Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation aussi au niveau de San Pedro pour la 2e édition, alors elle aura lieu le 17 et le 18 novembre prochain à San Pedro. Ça serait aussi la date de notre anniversaire. Donc du coup, soyez à San Pedro pour communier avec nous là-bas. Voilà, il y aura du boom là-bas aussi. Ça, alors, rentrez en contact avec le leader Tébi Joseph pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, aussi, la date aussi prochaine aussi, puisqu'on a reporté, cette date prochaine aussi vous sera donnée. Alors, rentrez en contact avec le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Koro, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ. La formation au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. Voilà, au niveau de l'international, à Ouagadougou, nous avons le grand leader Dieudonné que vous devez contacter pour vos inscriptions au niveau du Burkina. Au niveau de la RDC, au Congo, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham, avec lequel vous devez interagir. En revenant aussi en Côte d'Ivoire, nous allons parler aussi de la formation au niveau d'Azopé, voilà, avec le grand leader qu'on appelle Bertrand, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons cité tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu le nom, alors les numéros se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors, vous pouvez les contacter pour vous inscrire. Voilà. Donc, sachez toujours que, voilà, quel commentaire nous allons faire pour terminer ceci. C'est que, voilà, Terra Luna, c'est une pièce qui est en train de ressusciter grâce à l'aide de CZ de Binance. Alors, c'est un protocole nouveau qui est en train de se mettre en place. Voilà, avec une nouvelle vision. Cette fois-ci, je pense que les choses vont aller plus loin parce que, voilà, une crypto-monnaie qui était vraiment bien hissé dans le top 15 des crypto-monnaies, aujourd'hui qui a chuté, qui est devenu comme un même coin avec 3 euros après la virgule. Alors vous devez comprendre que tout est possible. Vous qui jouez avec les mêmes coins, voilà, tels que le Shiba, Floki, Unu et tout ça, aujourd'hui Terra Luna se retrouve pratiquement avec la même quantité comme si c'était Floki Unu dont on est en train de parler, 3 euros après la virgule comme Floki Unu. Donc tout est possible dans l'aspect cryptographique. Alors, ne dites pas ceci n'est pas possible. Tout est possible. Alors, sachez lire entre les lignes. Ça, c'est un cas d'école pour parler aux détracteurs. Parler à ces détracteurs-là qui pensent qu'ils savent tout. Alors, c'est à eux que tout ça là s'adresse. Voilà. Donc, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.